Bien, donc, après ce petit intermède de fleur de France, une session d'une heure et demie sur faire face aux vulnérabilités et aux aléas, nous aurons deux intervenants. Un premier intervenant, Éric Rigaud, qui nous arrive de Sophia Antipolis, qui est chargé de recherche à Admin Paritech sur toutes les questions de gestion des risques. Hein. Ça va être la première intervention sur l'identification des vulnérabilités et la gestion des risques. Nous aurons un second intervenant, Alain Montambeau, qui est directeur recherche et développement à Terena, donc qui est installé, donc le siège social est installé à Transenil, à côté du département proche de Loire-Atlantique, et qui prendra l'innovation pour faire face aux aléas dans le secteur des entreprises et de la coopération. Donc, je passe tout de suite la parole à Éric Rigaud pour une vingtaine de minutes. Nous aurons ensuite un échange de durée équivalent avec la salle. Merci beaucoup. Donc nous allons attaquer donc, cette session et on va essayer de la rendre dynamique pour préparer l'après-midi. Tout d'abord, merci à Madame Bosson, à toute la communauté de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Et je suis ravi de voir une communauté où on voit l'ensemble des acteurs d'une filière, des étudiants aux chercheurs, aux producteurs, aux pôles de compétition. Ça démontre une certaine volonté de travailler ensemble et d'essayer de construire quelque chose pour pouvoir progresser, se développer, surtout faire face aux différents risques et aléas qui peuvent nous affecter. La présentation de ce soir, donc moi je suis chercheur dans le domaine de la sécurité, mais dans le domaine de l'énergie, des facteurs humains et organisationnels dans le domaine de l'énergie. Donc je vais rester sur de la réflexion sur ces enjeux de gestion de risque, de vulnérabilité, mais aussi sur ce nouveau concept qui depuis 15 ans émerge dans les discours, dans les travaux qui suivent la résilience, et de voir comment ce concept de résilience peut être à la fois une opportunité pour relever les challenges qui se posent à nous. Alors, la gestion de risque fait l'objet d'une norme, une norme qui est la norme ISO 31000, et je vais démarrer de cette norme pour aborder les différents enjeux. Cette norme vient récemment d'être réexaminée, puisqu'elle date de juillet 2018, et elle a l'avantage de poser des définitions qui sont aussi simples que peu claires et difficilement opérationnelles, mais c'est un point de départ. Donc la notion de risque est définie comme l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Donc une volonté d'embrasser l'ensemble des approches des risques, mais permet d'aborder à la fois risque comme le produit d'une fréquence et d'une gravité d'un scénario, risque étant pouvant être le facteur entre l'aléa, la vulnérabilité et une résilience d'un territoire, donc source de risque, événement, conséquence récente. Le point important, c'est que ce concept de risque, c'est une représentation. C'est une représentation symbolique avec des chiffres ou avec des codes couleurs d'un ensemble de situations, de scénarios, d'événements, de faits que l'on va qualifier de risque. Et cette notion de management des risques, qui est l'activité coordonnée dans le but de diriger et piloter l'organisme vis-à-vis du risque, en identifiant, donc en recherchant, en reconnaissant, en décrivant des risques, pour les empêcher, une analyse des risques, donc essayer de les comprendre, de les approfondir, de les représenter. Les chercheurs parleront de modéliser le risque et d'évaluer, donc donner un symbole, un chiffre, un code couleur qui va servir de support à des décisions ou à de l'ingénierie, de la conception. Donc, le concept de risque est associé au transport maritime. Il a été construit dans ce. Ça commençait à s'élaborer parce que les bateaux partaient, mais n'étaient pas sûrs d'arriver. Donc, pour pouvoir gérer l'aspect financier des pertes matérielles et humaines relatives à ces naufrages, ce concept de risque a commencé à être formalisé. Et ce qui va nous intéresser, c'est le développement des systèmes d'agrément des risques. Et ce développement est associé au développement de la société industrielle, au développement des grands systèmes industriels et des incidents, des accidents associés. Donc si on est dans la société pré-industrielle, la notion de risque, de gestion des risques était peu importante puisqu'on avait peu de composants pouvant dysfonctionner, avec si dysfonctionner, des conséquences qui étaient limitées. Relativement limité et peu d'effets dominos, peu d'interactions entre les différents systèmes.
Progressivement, on va avoir, avec la première révolution industrielle, des systèmes techniques qui vont se complexifier, qui vont se relier, et ces composants peuvent dysfonctionner et vont entraîner des conséquences, dans un premier temps sur les opérateurs, on va avoir des blessures, on va avoir des décès, pour le moment, la notion de prise en compte des incidents, des accidents, était peu connue. Il faut attendre la seconde révolution industrielle, où là, on va avoir des premiers grands systèmes, des premiers premiers systèmes de transport de grande échelle, où on va avoir cette volonté d'anticiper, d'intégrer l'accident, en conception, en gestion, afin de pouvoir les prévenir et afin de pouvoir empêcher leur survenue. Et c'est à ce moment-là que va se développer dans l'industrie chimique, dans l'aviation, dans le nucléaire, un domaine qui est la sûreté de fonctionnement, un domaine qui vient de l'industrie, des ingénieurs, donc pas du domaine de la recherche, et qui va produire des méthodes que vous avez déjà rencontré, l'AMDEC, l'APR, l'analyse préliminaire des risques, la ZOP en chimie, les notions d'art des causes et des conséquences qui vont servir de support à représenter, évaluer, quantifier les risques et ainsi soutenir les activités de conception industrielle. Puis, les années passant, les systèmes vont être de plus en plus fiables, les systèmes techniques vont être de plus en plus fiables, on va avoir des accidents. Et ces accidents ont commencé à être imputés à l'humain. Donc on a des systèmes socio-techniques, les dimensions techniques se fiabilisent, et ça va être l'humain qui va ne pas comprendre un message qu'on va lui donner. C'est l'humain qui ne va pas appliquer la procédure telle qu'il aurait dû l'appliquer. Et ainsi de suite, et on va avoir un ensemble de catastrophes, on va parler de catastrophes technologiques majeures, Bhopal, Tchernobyl, Three Mile Island, Tenerife, Challenger, donc un ensemble de catastrophes qui vont challenger l'ingénierie et également sensibiliser la société sur les dangers des systèmes industriels. Et donc de ce facteur humain, on va aller sur le facteur organisationnel, puisqu'on est dans le début du libéralisme, hein, on va faire du better, faster, cheaper, on va commencer à essayer de réduire les coûts, on va demander de plus en plus à nos individus, donc on va avoir la composante organisationnelle de l'accident qui va commencer à essayer d'être prise en considération afin de les prévenir. Donc on va avoir des théories comme la fiabilité organisationnelle, les organisations hautement fiables, et puis un ensemble d'outils, méthodes telles que QIM, Tripod, Athena, Mervos, voulant prendre en compte cette dimension organisationnelle des catastrophes. Mais tout en continuant, on va continuer à avoir des accidents. Columbia, Texas City, les catastrophes aériennes, que ce soit Rio, Paris ou du Concorde, qui vont continuer à challenger la gestion des risques. À l'heure actuelle, on est dans la dimension des systèmes socio-techniques complexes. Par rapport, on avait des usines, on avait des avions, mais maintenant on est dans l'ère de la complexité, on est dans l'ère du tout relié, on est dans l'ère des systèmes de l'instantanéité. Un câble qui va briser au Japon va mettre en blackout une partie du monde, que ce soit en information ou que ce soit en énergie. Et on est sur des systèmes qui sont de plus en plus compliqués à modéliser, à représenter, et pour lesquels effectuer un calcul de risque devient de plus en plus compliqué. Donc le temps de l'imprévu, le temps de l'extrême. Donc on va revenir sur les enjeux de gestion des risques pour essayer de prendre en considération cette évolution de nos systèmes et puis la projection vers des systèmes de plus en plus complexes. Un système sûr, alors que ce soit une entreprise, que ce soit un territoire, que ce soit une parcelle, on peut l'aborder comme l'absence de situation non souhaitée, donc pouvant entraîner des dommages, et de perception de situation non souhaitée. On ne peut plus distinguer à la fois l'aspect danger, un système est dangereux, et un système est perçu comme dangereux ou risqué par les personnes qui sont acteurs de ce système. Puisque agir en ayant peur, même si cette peur n'est pas associée à un danger avéré, peut entraîner des comportements qui sont non souhaités. Donc se pose la question de s'il y a une situation non souhaitée, il y a des situations souhaitées.
Donc quelque part, c'est qu'il y a une représentation, c'est qu'il y a un choix de ces situations-là. Et ce choix, on peut l'aborder selon deux axes. Hein. Un premier qui est la valeur, donc un critère de jugement de valeur d'une situation. C'est individuellement, collectivement, une entreprise, une société, un pays va mettre une valeur positive, négative, de 0 à 5, bien, mal, sur une situation. Et puis l'aspect prévisibilité. Est-ce qu'on est capable de prévoir si cette situation survient? Donc on a tout le régime des situations normales. Heureusement, 99,9% des situations sont des situations dites normales, pas forcément souhaitées, puisqu'on a toujours une certaine variabilité de disponibilité, du temps, de ressources, des événements qui surviennent, mais on est dans des situations normales que l'on accepte. Et puis il y a les situations qui ont de la valeur, mais qui sont peu prévisibles. Les situations de bonne fortune. La chance que l'on va avoir d'accomplir ou d'arriver à sa finalité, même si toutes les circonstances étaient contre nous, et indépendamment de notre volonté. Donc là, on pensait qu'on était en situation dégradée, et puis finalement, on y arrive, donc la situation normale. Et puis les situations d'innovation, les situations d'innovation par le hasard, on n'avait pas trop la notion de sérendipité, mais ces situations où on va avoir un gain, on va innover, on va avoir une nouvelle technologie, on va prendre une alternative qui, ce n'était pas anticipé, ce n'était pas prévu, ce n'était pas planifié, mais on va saisir l'opportunité. Quand on parle de changement, on est sur une conférence sur le changement. Le changement a une finalité, le changement peut être source d'aubaine, et puis on verra que le changement peut être aussi source de vulnérabilité. Et puis si on prend le deuxième axe, en dessous, on a tous les événements non désirés. Alors je suis ingénieur, je suis dans les aspects incident-accident, hein, du presque accident à l'incident, à l'accident au désastre. Donc c'est toutes ces situations que l'on ne veut pas qui surviennent. Donc une fois qu'on est bien sur une représentation et on est bien sur un système de valeurs, donc qui peut varier d'un individu à un autre, d'une organisation à un autre, d'une nation à une autre. Notre objectif, c'est d'empêcher une situation normale de dériver vers une situation non souhaitée, en réduisant les menaces, en réduisant les dangers. Et puis, il y a des dangers qu'on ne peut pas supprimer, donc en essayant de réduire les conséquences. Et le management des risques s'est construit sur cet enjeu-là. Et puis, pour cela, on va avoir différentes alternatives, on va avoir des actions de prévention. Donc, on va essayer en amont d'éliminer, de réduire l'intensité de l'impact d'événements dangereux et de réduire l'exposition, la vulnérabilité de notre système. Des actions de préparation, puisque l'on sait qu'on ne peut pas prévenir l'ensemble des situations. Donc, on va essayer de préparer nos acteurs, nos agents à faire face, à accomplir un ensemble d'actions en fonction de la situation, par des procédures, par des exercices. Et puis il y a la réponse, donc la situation survient, donc il faut être capable immédiatement, soit avant, si on est capable d'anticiper, soit pendant, de pouvoir essayer de minimiser les dommages et de prévenir une éventuelle escalade de la situation. Et puis, quand la situation reprend un certain niveau de stabilisation, la continuité d'activité, la restauration, on va essayer de faire redémarrer les fonctions essentielles, de faire en sorte qu'on soit peu impacté ou que l'impact négatif du choc, nous puissions le surmonter. Alors, l'objectif de la gestion des risques, c'est de développer ses capacités de réponse et de restauration, que ce soit la prévention, la préparation. Et cette notion de réponse, elle repose sur un ensemble de compétences, d'informations, de ressources, de temps, nécessaires, qui doivent être disponibles pour, quand une situation survient, être capable de la détecter. Donc de ressentir, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si on ne sait pas ce que c'est, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. De l'identifier, donc de la reconnaître, donc d'être capable de faire du sens sur une situation. Quelquefois c'est facile, mais quelquefois ça peut prendre du temps. Détecter une anomalie, ça peut être une alarme ou une série d'alarmes, mais après d'être capable de comprendre ce qui déclenche cette alarme, d'évaluer la gravité de la situation. Est-ce que 10 alarmes qui se mettent en route simultanément, c'est grave, c'est pas grave, c'est normal, est-ce qu'il faut agir ou pas? Et de nombreuses fois, on ne sait pas, parce que oui, le système fait que les alarmes se déclenchent continuellement. Et puis, une fois qu'on a décidé d'agir, qu'est-ce qu'on fait?
d'identifier le comportement à adopter. On n'est plus dans la routine. On est sur des situations pour lesquelles on a peut-être été entraîné, mais on n'est pas dans l'expérience que l'on a et notre savoir-faire. Et puis, quand on sait quoi faire, c'est être capable de mobiliser les ressources et agir. Parce qu'il y a peut-être un plan qui définit qu'il y a telle personne qui doit être présente derrière tel numéro de téléphone, et elle n'est peut-être pas présente derrière le numéro de téléphone. Donc, être capable de mobiliser et d'être de pouvoir faire face. Et donc, pour cela, on parle de barrières de prévention, de barrières de formation. Donc, toutes ces situations qu'on va essayer d'imaginer, construire, élaborer, pour faire en sorte qu'on puisse maîtriser le système. Et ce processus de conception de barrières, il repose de décisions, d'actions au présent, et cela met en relation des représentations du passé avec des représentations du futur. C'est-à-dire qu'on va devoir faire de l'ingénierie, décider en fonction d'un certain nombre de représentations et d'expériences qui nous viennent dans un premier temps du passé et de l'investigation accidentelle qui repose sur un processus de recherche de causalité d'incidents, d'accidents, d'événements que l'on juge pertinents pour pouvoir apprendre. Et dans un deuxième temps, un processus d'analyse des risques où on va observer, faire une représentation de notre système et essayer de relier les deux pour identifier les potentiels risques qui peuvent survenir. Et enfin, de concevoir une barrière symbolique, technique, organisationnelle, permettant aux situations dont on souhaitait qu'on s'est projeté dans le futur de ne pas survenir. Donc, on peut sur une représentation du passé, une représentation de notre système, et puis une représentation des potentiels scénarios qui peuvent survenir. Et c'est ces représentations qui servent de support à la mise en place de procédures, de formations, de compétences, de systèmes techniques pour pouvoir y faire face. Et là, Google nous dit, pas de problème. Je connais toutes les informations sur les événements du passé, je connais parfaitement mon système, on est capable de concevoir des barrières, donc il ne devrait y avoir pas de risque. Et en fait, et effectivement, si, et ça c'est la culture actuelle sur pourquoi un accident et pourquoi un système est sûr, si l'ensemble des scénarios pouvant conduire à des dommages est pris en considération par l'analyse des risques, donc si on est capable d'imaginer l'ensemble de nos scénarios, si on a des barrières techniques qui sont correctement conçues et scrupuleusement maintenues, si les procédures sont complètes, précises et correctes, si les opérateurs appliquent scrupuleusement les procédures et les objectifs, si les ressources humaines, matérielles et temporelles sont disponibles et suffisantes. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait un accident, puisque de toute façon, on a forcément tout prévu, et puis nos opérateurs, ils n'ont pas le choix de suivre les procédures, parce que sinon, ils sont sanctionnés. Et donc les accidents surviennent parce que les technologies, le matériel sont imparfaits, les pannes sont inévitables, les opérateurs ne sont pas fiables et commettent des erreurs, et puis la complexité des organisations, la distribution populaire d'autorité, la divergence des objectifs et des finalités sont à l'origine de conditions limites. Donc si je veux gérer la sécurité, je dois faire plus de coordination et je dois essayer de routiniser mes systèmes. Je dois diminuer la variabilité, donc je dois diminuer au maximum les degrés de liberté de mes opérateurs. Je dois mettre en place des systèmes d'audit pour m'assurer que les opérateurs appliquent scrupuleusement les procédures et que le système fonctionne comme il doit marcher. Et puis si je peux, je vais automatiser, puisqu'en automatisant, je suis sûr de mes algorithmes. Donc en automatisant, je vais réduire les risques. Oui, mais non. Il y a l'imprévu, il y a la complexité. L'imprévu, c'est les événements fortuits qui déclenchent une rupture de trajectoire et qui ouvrent un espace d'opportunité, à la fois positif et négatif. Cet imprévu, ça peut être un imprévu en matière de conséquences et de moments, des conséquences prévisibles avec des moments prévisibles. On est sur des carrefours, sur des orientations, on est sur l'événement sportif. Des conséquences prévisibles avec des moments imprévisibles. On fait une analyse des risques, on sait que cet événement peut survenir. Bon, ben, s'il est relativement simple et qu'il survient, on ne sait pas quand il surviendra, mais fondamentalement, on sait ce qui se passera. Et puis, des conséquences imprévisibles sur des moments prévisibles, des orientations, un ensemble de cycles où on ne peut pas trop anticiper sur ce qui va se passer,
Et puis quand la conséquence et le moment est imprévisible, là on est dans la crise et la catastrophe, parce que l'événement survient et on ne sait pas ce qui se passe et il faut agir. Alors il y a d'autres théories, il y a le signe noir, les situations aberrantes, dans le cadre de l'attente ordinaire, pour laquelle aucun signe avant-coureur du passé n'a ni probabilité d'occurrence. Un impact extrêmement fort, et puis après coup, bon, il y a toujours des gens qui vont expliquer en disant bah « oui, ça, on aurait dû le voir », on l'avait dit, mais ça survient. La notion d'épisode cosmologique, donc les situations où les acteurs ressentent soudainement et profondément que leur environnement n'est ni rationnel ni ordonné. On ne comprend plus ce qui se passe, on perd le film, on ne donne plus de sens à la situation. Et les notions d'émergence qui ont été discutées ce matin, donc ces propriétés qui sont issues de l'interaction, de la composition d'un ensemble d'éléments qui rentrent en interaction et qui déclenchent des situations non prévues. Une théorie qui date pas d'hier, mais qui est vraiment associée à la notion de changement, les conséquences inattendues du changement. Un changement peut entraîner des effets attendus, ce qui était prévu par les concepteurs du changement, mais aussi des effets positifs. On met en place une action et une émergence d'effets positifs surviennent, mais aussi des effets négatifs qui viennent en plus des conséquences attendues, et puis des effets pervers qui peuvent annihiler les conséquences positives. Alors en gestion des risques, on a à mettre en place des barrières de sécurité qui diminuent la sécurité. Et la notion d'écologie d'action qui, dans la complexité, nous énonce qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas prévoir l'ensemble des interactions et l'ensemble des conséquences que peuvent avoir une action, une décision qui va interagir dans un environnement complexe. Donc pour cela, on ne peut plus se dire qu'il y a le risque. Travailler sur le risque, il faut aller essayer d'approfondir. Et le premier niveau, c'est de dire qu'on va considérer des situations anormales régulières. Des situations qui surviennent avec une fréquence telle que l'organisation peut apprendre à y répondre. Donc il y a des situations qu'on est capable de se représenter, de modéliser, et on va mettre en place des procédures, des algorithmes, des routines pour pouvoir y faire face. Et puis il y a les situations anormales et régulières. On en a vu certaines dans les présentations. On les connaît, mais on ne peut pas, pour à la fois des raisons scientifiques, mais aussi des raisons économiques, ou des raisons de capacité d'ingénierie, mettre en place un dispositif pour pouvoir y faire face. Et puis il y a les situations anormales, exceptionnelles, ou alors inconnues, la situation qui survient, mais pour laquelle on n'a aucune expérience, et qui dépasse notre capacité de réponse, et qui nécessite de modifier notre approche. Donc si on fait évoluer notre système de gestion des risques, on s'aperçoit que la gestion des risques propose et permet de gérer les situations régulières, celles qu'on est capable de se représenter, le risque, avec des barrières appropriées, donc pour lesquelles on a été capable de faire de l'ingénierie, et puis efficace, qui fonctionne. Parce qu'on a de nombreux sites industriels, où on a des systèmes qui datent des années 30, ABP, Texas City, le capteur et le système de prévention datés des années 30, il fallait le changer, mais la politique d'investissement, ça ne rentrait pas dans la politique d'investissement de l'entreprise. Et puis on a les situations régulières pour lesquelles on a une défaillance des barrières. Les situations régulières où il n'y a pas de barrière, et les situations sans précédent. La question c'est, si on a un accident à chaque fois qu'on est dans ces situations-là, on devrait avoir des accidents, ça devrait être la routine. Et s'il n'y a pas d'accident, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle l'adaptation individuelle et collective. On a individuellement, collectivement, cette capacité à faire face, et les agents, les opérateurs de système ont la capacité d'adapter, de s'adapter pour faire en sorte que, malgré la situation qui est critique, voire extrême, vont être capables de faire face, surmonter et de trouver une solution. Et cette capacité d'adaptation, elle est limitée, et quand elle est limitée, bon, les dommages qui apparaissent, le dommage entraîne l'imputation de la responsabilité de l'action et de ses effets par le système juridique, par les assurances, et généralement, on va tomber sur une erreur humaine, parce qu'on va toujours trouver la procédure qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été suivie, le signal qui n'a pas été mis en place. Donc on va imputer, comme 80% des situations, à un opérateur, la faute d'un accident. Alors que c'est lui qui essayait d'adapter et de faire en sorte que le système fonctionne. Alors, si on change le logiciel et si on essaie de se poser la question pourquoi le système est sûr, il est sûr parce qu'il est capable d'ajuster son fonctionnement avant, pendant ou après la survenue de changements ou de perturbations,
et ce afin qu'ils puissent poursuivre l'activité dans des conditions attendues et inattendues. Il n'y a pas d'accident, le système est sûr parce que les opérateurs, parce que le système est capable de s'adapter, est capable de faire face et de surmonter les situations. Et puis de reconnaître et s'adapter pour faire face à des situations qui sont à la limite ou hors de son contexte d'action. Et qui est capable de réinventer la réponse, à la fois en termes d'action, mais aussi peut-être en termes de hiérarchie, en termes de respect de plan, en termes de respect de cadre. Et pour cela, il est nécessaire de développer des pratiques de travail informel qui sont souvent vicieuses, donc comprendre pourquoi le système fonctionne. Généralement, on ne sait pas comment notre système fonctionne. On a une représentation, on a des plans, on a des procédures, on a des organigrammes, mais on ne sait pas concrètement pourquoi notre système fonctionne. Des systèmes de décision distribués avec l'autonomie locale, des systèmes de dynamique et flexible, et des systèmes qui permettent de gérer des boucles de rétroaction. Oui, mais c'est compliqué, voire complexe, puisqu'on se retrouve entre trouver un compromis entre, je vais conclure, entre deux situations. D'un côté, on a des situations régulières où on veut un respect de procédure, avoir un cadre pour être sûr, et puis des situations pour lesquelles on doit improviser. Donc on doit trouver des compromis entre des processus formels et d'autonomie locale d'action, entre la centralisation et la décentralisation, entre le maintien d'une stabilité du système et de ses capacités d'organisation et de changer, d'évoluer, de gérer l'ensemble des conflits d'objectifs entre qualité, produit, production, sécurité, et essayer d'identifier des technologies, de conduire le changement tout en ayant en tête que le changement peut entraîner des conséquences sur la sécurité. Je ne vais pas parler de résilience, parce que mon temps est dépassé, et je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup. Vous avez parlé de gestion des risques, de façon assez généraliste et pouvant s'appliquer à de nombreux domaines. Concernant la gestion du risque phytosanitaire, est-ce que vous avez des éléments? Non. Souvent, malheureusement, non. Mon domaine, c'est l'énergie, donc c'est vrai que je n'ai pas cherché. Et comme on cherche ce qu'on trouve, tout ce que l'on cherche, et donc je n'ai malheureusement pas de situation ou d'expérience en matière d'application de la résilience sur ces enjeux. Et dans notre communauté d'ingénierie de la résilience, pour l'instant, il n'y a pas encore. Ça peut venir de l'expérience en ce moment. Une question sur énergie et carbone fossile et un certain nombre de dispositifs qui permettent de cultiver les plantes. Et c'est par exemple, est-ce qu'il y a des travaux dans ce sens-là? Si demain le carbone fossile devient plus cher, qu'adviendra-t-il d'un certain nombre de dispositifs horticoles qu'ils utilisent? Est-ce qu'il y a des gestions de risque en la matière pour en... Je ne peux pas répondre à cette question, mais je travaille sur le d'accord. Et la question que je me pose, c'est de dire, un blackout énergétique, le risque est de plus en plus important, notamment par la composition à la fois des attaques des centrales par les systèmes informatiques, plus l'interconnectivité des systèmes de production d'énergie, combinée avec la diminution des investissements faits par les différentes entreprises en charge de ces infrastructures qui sont de plus en plus vieillissantes. Donc le risque de blackout est de plus en plus important, combiné avec du changement climatique, donc du risque soit d'inondation, soit de risque naturel qui impacte sur ce risque de blackout. Donc à l'heure actuelle, en Europe, en Europe du Nord, on connaît des blackouts qui duraient quelques heures par journée. La question, c'est si on a un blackout qui dure une semaine. Un blackout qui dure deux semaines, donc plus d'énergie. Je renverse la question, c'est que dans les systèmes de production à l'heure actuelle, et dans ceux qui sont planifiés, est-ce que la réflexion de leur vulnérabilité à une coupure énergétique qui dépasse la capacité de réponse ou de provision énergétique, considérant qu'au bout de trois jours, les personnes vont avoir faim, soif,
et on va plus pouvoir se déplacer parce que plus de feux de signalisation, plus de trains, plus d'avions, etc. Est-ce que la filière est prête à faire face à ce type de situation? Donc oui, vous dites que vous avez travaillé sur les blackouts. À la limite, c'est peut-être plus prévisible les différents types de blackouts qu'il peut y avoir et la part des phénomènes d'émergence par rapport aux phénomènes de blackouts. Des choses complètement, vous avez cité le mot, donc à votre avis, quel est le... Alors d'émergence, au sens où il était présenté ce matin, je ne sais pas, parce que effectivement, c'est... La vraie émergence, ça. Ah oui, donc l'émergence de propriété, la question, liée au blackout, il y a la question qu'il y a des comportements individuels et collectifs par rapport à la situation. C'est-à-dire, on a chacun des rôles. On a notre rôle de professionnel, qui peut être dans la prévention des risques, dans la gestion de crise. Donc, on a un rôle de parent, on a un rôle de citoyen. Et à un moment donné, les effets dominos des coupures de courant, de l'absence de courant pouvant entraîner nos changements de rôle, où on va privilégier, à un moment, on va peut-être arrêter de gérer la crise pour gérer les nôtres, pour gérer notre survie. Et dès lors, on peut avoir de l'émergence de comportements qui peuvent entraîner du désordre au niveau de la société, avec un système de gestion de l'ordre qui peut être aussi affecté, puisque les individus en charge de l'ordre peuvent basculer, puisque eux aussi peuvent avoir faim ou gérer leur famille. Donc on peut avoir, je pense très rapidement, on est sur du 3 jours, 4 jours, l'émergence de comportements, de situations où on peut avoir une perte de contrôle des situations. Oui, de ce que vous nous avez présenté, on voit bien qu'en fait vous adossez parfaitement l'analyse de risque à la maîtrise d'un système. Si on se projette dans un cadre qui est le cadre d'un certain nombre d'entre nous, on est sur des activités de recherche, elles ont des sens d'innovation, mais pas nécessairement, bien évidemment, on est fait dans une direction déterminée. Mais derrière une activité de recherche, il y a aussi une part qui n'est pas nécessairement complètement prédictive dans le système. Comment on intègre ça dans une analyse de risque? Alors là, moi, c'est mon positionnement. Par rapport à cette question-là, et c'est le point, en fait, c'est l'élément que je voulais vraiment sensibiliser, c'est qu'il y a deux choses. Soit on se dit, on continue dans l'analyse des risques. Donc on essaie de... et la même chose pour la complexité des systèmes, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des modèles, de faire des outils permettant d'aborder une certaine complexité de plus en plus importante et une certaine incertitude de plus en plus importante, et on va développer des algorithmes qui vont nous sortir des chiffres. La question, c'est est-ce que l'on doit continuer à aller dans ce sens-là en disant oui, on va être plus en plus, mais on reste dans l'analyse des risques. On se dit, on a des situations pour lesquelles l'analyse des risques et les chiffres ou les résultats sont pertinents, et puis à côté, on doit accepter que l'analyse des risques a des limites, que l'analyse des risques ou la gestion des risques en général ne peut pas permettre de gérer l'ensemble des situations. Donc c'est dépasser l'aspect risque zéro n'existe pas alibi à la suite d'un accident, certes réel mais facile, mais de dire c'est en prévention, en préparation, qu'on prend en compte les limites de la gestion des risques et on essaie de développer la capacité à faire face à des situations qui n'ont pas été prévues. Et du coup, cela questionne comment on mesure notre sécurité, nos indicateurs de sécurité. Cela questionne comment on va observer les événements du passé. Parce que généralement, quand on fait un retour d'expérience, on regarde par rapport à notre référentiel. Est-ce que la procédure a été appliquée? Donc en fait, on n'apprend pas pourquoi le système a fonctionné, on apprend éventuellement pourquoi le système n'a pas bien fonctionné, et encore en apportant notre hypothèse de départ. On va toujours trouver à Fukushima, le retour d'expérience, c'est de dire qu'ils n'ont pas suivi la procédure. Ils n'ont pas été bien formés. En face, il y a une équipe qui gérait leur propre mort face à la mort, au risque de mort de leur pays, et ils devaient mettre en place du courant pour essayer de faire repartir. Donc là, on n'était pas sur des procédures, il n'y avait pas de procédure pour faire face à ça. Donc, l'idée, c'est de dire, on va faire confiance, on va tout mettre dans l'analyse des risques. L'analyse des risques a des limites, a des avantages et a des limites, et on ne peut pas faire que ça.
Et dès lors, il faut développer des capacités de faire face et à gérer. Donc on est en conception des analyses des risques, mais en gestion, le discours c'est si on suit la procédure, on a tout prévu, on a des procédures qui gèrent toutes les situations, et on fait en sorte que nos opérateurs suivent les procédures, qui sont, j'allais dire, la culture de nombreuses industries dangereuses, ne suffisent pas pour faire face. Donc on doit accepter, enfin moi c'est notre positionnement, hein, c'est accepter les limites de l'analyse des risques, certes essayer d'aller plus loin, mais en matière de gestion de la sécurité, compléter les résultats, les barrières issues du processus de maîtrise des risques par le développement à faire face aux situations non prévues, à s'adapter et à réinventer le logiciel si on est dans le bon cadre. Justement, la résilience, du coup, est-ce que ça va être d'associer deux types de démarches, la démarche d'analyse des risques et donc de gestion des risques, avec une démarche de promotion d'adaptabilité, la réaction à l'imprévu? Et comment mettre en place cette démarche, cette deuxième démarche? Faut tabler sur différentes personnes, ressources? C'est effectivement le challenge. Et la problématique, c'est les deux sont agonistes. C'est-à-dire qu'on est en face à un problème dialogique dans la pensée complexe. C'est-à-dire que d'un côté, on a les situations régulières, anormales, régulières sans précédent. Et pour y faire face, d'un côté, on doit enfermer, on doit limiter les marges de manœuvre, on doit faire en sorte que le système suive les rails pour correspondant au risque. Et de l'autre, on doit apprendre au système à adapter, à contourner, pour que quand une situation est irrégulière ou un précédent, d'essayer d'adapter le système. De l'autre, si on parle des ressources, d'un côté, si on va essayer d'optimiser, en plus on est dans une dynamique d'optimisation des ressources, donc on va optimiser les ressources par rapport au risque qu'on a identifié. Si on est sur l'adaptation, on a besoin de ressources. On a besoin, si on veut improviser, on a besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui n'était pas du tout dans la ligne hiérarchique et qui va prendre le leadership. On a besoin de... à Fukushima, ils ont pris les batteries de voiture pour essayer de remettre au courant parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc on a besoin d'avoir des ressources sous la main et une capacité intellectuelle pour pouvoir y faire face. Le problème, c'est que comment reconnaître qu'on est dans une situation anormale? Parce que sinon, c'est ton gère des équipes. Hein. Non, oui, j'ai pas suivi la procédure, mais on était en situation anormale. Donc effectivement, il y a un problème de compréhension, de connaissance. Et puis surtout, on est en termes managériel, et puis surtout en termes de gestion des sanctions. D'un côté, parce qu'on sanctionne dès lors qu'on ne respecte pas la procédure, hein, dans de nombreuses industries risquées, hein, l'amende ou alors la mise à pied à venir parce que voilà. Et donc il y a cet enjeu-là, et puis surtout l'enjeu c'est la connaissance du système. C'est-à-dire que, et ça revient à la question qui a été discutée dans la session cet après-midi, c'est que ça marche, pourquoi ça marche chez quelqu'un d'autre et pourquoi ça n'a pas marché chez nous, est-ce qu'on est sûr que ça a marché chez nous? Le problème c'est qu'il faut qu'on sache pourquoi notre système fonctionne, pourquoi si notre système fonctionne c'est parce qu'on a peut-être des comportements d'adaptation de nos opérateurs, ou alors... un système que je ne connais pas trop, mais il y a peut-être des propriétés naturelles qu'on ne soupçonne pas et qui font qu'on va avoir un succès. Et si on ne sait pas pourquoi notre système fonctionne, ça va être difficile d'apprendre à le maintenir. Donc on est sur ces challenges-là. À l'heure actuelle, je n'ai pas de réponse. On identifie les problématiques et en faisant des enquêtes terrain, on identifie que les problématiques, elles sont plus complexes que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a une réalité des systèmes industriels avec les réalités managériales, et d'essayer de faire passer ça, déjà culturellement, il y a des situations qu'on n'a pas prévues, ça heurte, hein, on repousse ça, parce que dans certaines industries, tout est prévu, tout est sous contrôle, donc ça, il y a un débit de ces situations-là, et même quand il y a de l'acceptation ou de la reconnaissance, ben, comment on fait? Sachant qu'on a de moins en moins de moyens, on a de moins en moins d'opérateurs et on a des procédures qui sont de plus en plus complexes. Dans votre domaine d'activité, on pourrait aussi présenter parfois les choses entre un risque potentiel, on ne sait pas si ça va arriver, et en face à un coût certain,
mettre en place des mesures. Et on voit que, et les exemples que vous avez cités en intro, Challenger, etc., on voit qu'on ne fait pas toujours les bons choix qui devraient être évidents en se disant il y a un risque, donc on met en place les mesures. Et du coup, je voulais savoir si cette dualité, risque potentiel ou certain, elle est théorisée, entre guillemets, pour savoir pourquoi parfois on fait les bons choix et parfois non. Alors, on sait que si on a fait un bon choix, qu'après que ce... C'est-à-dire qu'on peut dire, après coup, il y a eu un mauvais choix et un bon choix. Les personnes, quand ils prennent la décision, eux, ils ont fait le bon choix par rapport à leur contexte de décision. C'est-à-dire que, il faut, alors ça, c'est sur l'aspect rétrospectif. Rétrospectivement, on va trouver qui n'a pas pris la bonne décision, qui avait un feu rouge devant lui et a franchi. Le problème, c'est que dans la situation, la personne fait le bon choix. Soit c'est le choix qui est le choix de la procédure, soit c'est le choix du contexte parce qu'elle est ambiguë. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Le mauvais choix, c'est l'interprétation qu'on fait après, parce que derrière, il y a des conséquences importantes. Et qu'on veut trouver le bouc émissaire. Donc on va dire, bah oui, là, le feu était rouge, il est passé. C'est sa faute, en plus, il n'est plus là pour justifier pourquoi il est passé. Et c'est lui qui a fait le mauvais choix. On ne va pas forcément chercher que la personne était novice, que le feu n'était pas à terre, qu'on était dans le brouillard, etc., etc. Donc il faut être très vigilant sur les retours d'expérience ou sur les jugements qui disent là il y a eu un mauvais choix qui a été fait. Effectivement, Challenger, le sous-traitant, il n'entend pas l'ingénieur disant que le joint torique ne remplira pas sa fonction par la température extrêmement basse du pas de tir. Donc il ne l'entend pas et il donne un feu vert qui s'avère derrière fatal. Mais ils ont fait leur choix par rapport au survie économique, hein, parce que s'ils allaient s'y mettre le feu rouge, ils seront peut-être plus sous-traitants. Donc il y a eu une rationalité. La question, c'est la rationalité n'était pas adaptée au contexte. On peut parler de non-adaptation au contexte ou entraînant. Le mauvais choix, moi je serais prudent vis-à-vis de ça. Après, effectivement, il y a les conséquences. Alors, il y a la réflexion qui est faite sur l'aspect décision économique, elle est comment faire un décideur qui a une rationalité d'investissement, de lui dire, il faut que tu me donnes plus d'argent pour que si j'ai eu zéro accident cette année, je continue à avoir zéro accident. Ça veut dire qu'en face, je te demande d'augmenter, de maintenir ton investissement dans mon service, mais en face, moi je vais maintenir le chiffre zéro. Avec quelqu'un qui est habitué à penser à j'investis, je veux que vous augmentiez votre productivité de 10%. Donc après, de penser à si la situation survient, ça va coûter là, j'ai dit la réponse cynique, hein, s'il y a des assurances. Et voilà, on se prépare, c'est sur le marché boursier, on va être prêt. C'est-à-dire que les rationalités, ces rationalités-là, essayer de les faire évoluer, des rationalités de décideurs stratégiques, hein, qui sont dans la culture de la maximisation du profit aux actionnaires, oui, effectivement, c'est un coup, un accident. S'il survient, ben, on gérera la crise, parce qu'on est préparé, on a des équipes de com qui savent faire face, mais après, soit il y a des épaules financières, soit il y a des assurances. Et ça fait que très peu de temps, où c'est depuis les Ricard, hein, où l'imputation des dommages vient de manière indirecte à l'entreprise qui peut être responsable. Sinon, on est la responsabilité directe et les coûts sont difficilement imputables à une entreprise. Donc, Erika a fait changer ça, mais je pense que je suis là-bas. Dans le domaine de la protection des plantes, c'est l'utilisation abusive et non contrôlée en Guadeloupe du chlordécone pour traiter le charançon du bananier. Pendant des années, ils ont utilisé le chlordécone qui est à chlorer, et les sols sont pleins de chlordécone, la population est pleine de chlordécone. Et puis maintenant, on ne sait pas quoi faire. La résilience de la gestion de crise à différents niveaux d'échelle. On peut avoir un système résilient à un niveau d'échelle, qui le rend résilient, et puis il va entraîner des effets négatifs et néfastes à d'autres niveaux d'échelle, et pour entraîner des accidents.